Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve sur Flight Simulator, sur la carrière On Air. Donc on est en Libye. Donc une mission de 370 nautiques à peu près à travers la Libye, d'ouest en est. Donc voilà ici. D'ici à là. Donc une zone désertique. Bah ici, je sais pas, c'est en vert, mais c'est l'altitude, alors c'est quand même désertique. Hein. Ici, il y a le désert du Ténéré. Mais bon, sortie des côtes, hein, de toute façon, c'est du désert de sable ou de pierre. Donc, je vais vous montrer ici. Voilà, on part d'ici. Voilà, quand on voit un peu le paysage, on se rend compte que c'est quand même désertique. Hein. Voilà. Donc pour cette traversée de l'Afrique, hein, on était parti du Maroc, on était descendu, on a fait un peu l'Algérie, là on est en Libye. Prochaine destination, l'Égypte, voir les pyramides. Donc voilà. Donc on va se préparer pour le décollage. Donc là, on transporte. On n'a pas de passagers, on transporte des équipements de valeur fragiles. Ne pas trop secouer l'avion, sinon on a de la casse, des malus. Faire attention normalement à ne pas faire du virage à 30 degrés, hein. Plus de 30 degrés, sinon il y a de la casse. Alors avec le pilote auto sur cet avion, il faut faire attention. Donc on est sur le Beechcraft de King Air 350. Hein. Puis moteur turbo-propulsé à hélice. Alors, donc pour le tuto, hein, j'ai fait un tuto sur cet avion pour ceux qui ne le connaissent pas. Hein. J'explique comment je m'en sers. Je monte un poids de l'égas quand même. On va démarrer. Your flight will be monitored until you land and shut down the engines. Démarre le moteur droit.
comme le King Air est rapide, mais ça permet de faire des distances importantes en ayant une vitesse de croisière qui est quand même un peu plus élevée que ce que les anciens avions que j'ai, que j'utilisais, mais bon. Quand même faire des économies de carburant. Pour s'occuper des lumières. Ça, on va s'occuper maintenant de la route. C'est le mode GPS, afficher le vent. Là, donc là 64 degrés, le heading pareil, comme c'est 64, on va régler comme là on est en temps réel. Météo temps réel, on va pouvoir régler la pression barométrique. Il n'y a pas de méta, mais Little Navmap va sûrement me donner l'info, lui. 29,94. 29,92. Alors, il faut arriver à choper la vue qui va. Ça, c'est pas gagné. Comme ça, donc on a dit 94, voilà, ça nous fait 1445. Ouais, c'est bon. On est bien 29,94. Ok, bon, ben, altitude, on va se mettre à 5000 pour voir un petit peu le paysage. 3000, c'est trop bas, on va pas voir, pas bien. Alors 5000 altitude. Là, on a un taux de montée à 1200 pieds. C'est bon. Bon, bah là, on est bien. À contacter la tour. On va voir ce qu'on peut faire après. Donc là, vers l'est. Hotel Lima 66, traffic Beechcraft Golf Alpha India Alpha 1 taking off runway tree 1 departure to the east. Personne, on choisit la piste qu'on veut, ça c'est très bien. On a un vent, on n'a pas les infos pour l'instant. Je dois l'avoir quelque part, mais bon, faire avec de toute façon. On va décoller piste 13. C'est pas en rouge, je sais pas si c'est parce que c'est une zone militaire ou quoi. Je sais pas ce que ça veut dire. Bon, tout état de cause, faut faire demi-tour et faire un demi-tour vers la gauche. C'est pas plus simple de partir de la 31. Alors, la 13, c'est mieux. Choisis piste 13. On commence départ vers l'est. Hotel Lima 66 Traffic Beechcraft Golf Alpha India Alpha 1 taking off runway 1 tree departure to the east. Là, on est bon.
soigner par là parce que la voiture, je n'ai pas envie d'entrer dedans. C'est un peu pénible. Maintenant, je demande un pushback. Est-ce qu'on a accès au pushback là? On n'a pas accès au pushback. Bon. Comme ça, c'est réglé. Assez loin de la voiture, lui je sais qu'on peut le passer dessus, ça fait rien. C'est pas très roleplay, mais j'ai pas le choix. Il y a pas... J'aurais pu faire une marche arrière avec les reverse. C'est vrai que ça aurait été plus. Ça aurait été plus mieux. Je vais mettre l'éclairage du cockpit, c'est un peu sombre à l'intérieur. J'ai eu un petit bug sur Friend Park, il sort pas toujours, je sais pas pourquoi. Ça me rappelle s'il fonctionne, hein. Mon bouton de joystick, mais des fois ça le fait pas, je sais pas pourquoi. Donc on va pousser l'état moteur à fond, hein. Décollage, là on est à 98.6, 98.7, je voulais allumer un peu les loupiottes.
plus de lumière sur le. Parce qu'il est pénible ce truc. Voilà, moment réveillé, on va pouvoir décoller. Hein. 37, la pressurisation, ouais, 5000 pieds, je ne vais pas y toucher. Si, je vais peut-être la mettre à 5000. 1000 de plus, ça fait 6000 normalement. Bon, on laisse comme ça. Voilà, on va y aller. C'est parti. Il y a du vent. J'ai décollé sans voler. On peut le faire au moins. J'aurai un petit malus sur On Air, c'est pas grave. C'est ma faute. J'ai qu'à mieux préparer mon décollage. On va porter un petit peu sur la droite, sur la gauche. Un peu le cap. Il y a vraiment beaucoup de vent là. Je fais rafale que je me prends là. Ok, ouais. Je vais me prendre un malus aussi pour la fragilité. J'ai pas entendu, ça fait un bruit de casse sur un air quand on casse le matériel qu'on transporte. J'ai un taux de montée à 2000. Hein. Il monte à 2000, 2000 pieds secondes. Il est vraiment très puissant cet avion. On va se calmer un peu sur la montée. Voilà. En pilote auto, hop, et en leading, hop, je lâche le manche. Petit peu fait n'importe quoi, on voit ce que va me dire la première. Voilà. Décollage sans les flaps, ça me fera un 0, quelque chose de moins sur la réputation, je crois. Un bonus, bien bien grave. Mais bon. La médiane, faut pas que je penche trop. Et c'était limite, faut que j'aille tout progressivement, sinon on va dépasser les 30% d'inclinaison et j'aurai de la casse. Si je prends un très léger, une très légère déviation, il n'a pas le temps de se pencher à 30 degrés. Il se penche moins, vous voyez, même pas à 10 là. Je prends mon temps, comme ça il n'y aura pas. Je pourrais jusqu'à ce que je rejoigne les médianes. La médiane, c'est ça, hein, c'est la ligne rose, ici. Mon cap. Voilà, on va le laisser tranquillement rejoindre la médiane. Je vais mettre l'anti-roulis, l'amortisseur de lacet. Voilà. C'est pas ce qu'il me dit, je l'ai mis pourtant. Qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit qu'il est off. Ah ouais. C'est pratique, je crois que c'est activé, je vais le désactiver. Donc là, il est bien activé. VS qui est off. Je sais pas. Ah ouais, je suis à
Ok, je suis arrivé, c'est bon. Zéro altitude. D'accord. Bon, bah maintenant on va pouvoir régler la puissance. Descendre à 1500. Économie de carburant. C'est ce qui est préconisé en croisière, de toute façon. Voilà, 27% en hélice. Ce sera bien des deux côtés. On va régler notre vitesse. C'est-à-dire, on est 185 à peu près, je me mets. Pas trop consommé. Le carburant, on en a beaucoup, hein. On a 700 livres de chaque côté, sur chaque aile, donc il va être préféré au moins 800 nautiques normalement. Là, j'en ai 350 à faire. J'ai décollé sans voler, c'est vraiment pas top, mais bon. J'oublie rarement maintenant, mais je fasse une vidéo pour faire la connerie. On va laisser descendre tranquillement. Vitesse. Vous voyez, c'est bien aride, hein, c'est le désert. Le désert de sable et de pierre. Vitesse, je prends les gaz. Laissez monter tranquillement. Donc là, le projet. Donc, comme je vous disais, on est parti du Maroc, on a fait ça à Algérie, Libye. Je vais continuer sur l'Égypte, ensuite je vais redescendre sur le Soudan, Éthiopie, repartir par ici, Tchad, Niger, Mali, Mauritanie. Ensuite, on va descendre, on va longer ici, on va faire Nigeria, on va couper ici. Cette partie-là, j'ai déjà faite, hein, donc j'avais dans d'autres vidéos que j'ai explorées. Donc ici, on va faire le Congo, Tanzanie, et ensuite dans Run Air, je repartirai, transférer ma base, par exemple au Yémen. On fera Arabie Saoudite là. On fera Syrie, Turquie, Irak, Iran, je pense. Les pays en ce temps là,
plus tard. Inde, Chine, Népal, Tibet, Mongolie. Enfin, il y a toute la planète à faire pratiquement. À part l'Europe pour l'instant. Donc déjà l'Afrique, hein. Donc là vers l'Égypte. Hein. Si je redescendrai, je repartirai par là. Donc là, je suis à 185, c'est ce que je voulais à peu près, c'est bien. Là, on consomme très peu et on avance quand même, hein, puisque là, on est à 208, hein, par rapport au sol, en vitesse, 208 nœuds. Donc ça avance. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, oh, j'ai pas mis en nav. Je fais des conneries. Hein. Là, vous voyez mes conneries en direct live, c'est très bien. J'ai pas mis de nav, pourtant je croyais l'avoir mis. Bon, bah, corriger ça. Hein. Ah là là, faut pas que je fasse trop fort non plus pour ma cargaison. Je fais que des bêtises aujourd'hui. Je discute, je regarde la carte et voilà. Le temps que ça prend, c'est pas grave, c'est plus le carburant. Mais bon, comme j'ai de la marge, c'est pas bien grave. Enfin, juste un peu de temps. Faudrait que pas que je la croise tout de suite, je vais me raligner manuellement, enfin avec le heading pour pas qu'il me fasse un raccord de cap trop brutal. Hein. Pour la marchandise, toujours pareil. Je reste dessus parce que si je l'oublie, je ne vais pas faire le zigzag toute la route. Sinon, c'est un très bon avion. Il peut se poser sur des pistes courtes, hein, puisqu'il a le reverse, donc on peut inverser le sens de rotation. Donc ça freine bien quoi. Sur les pistes courtes, on gagne de la distance en inversant les moteurs. Ah, je me suis bien décalé de la route. J'ai du temps de choper la médiane. Ouais, parce que je suis sans nautique, hein. Je me suis bien décalé. Bravo. Faut pas que je la loupe. J'avais bien réglé cette carte-là, je m'en serais aperçu tout de suite. Hein.
bien la régler dès le décollage, hein, ça aide quand même, mais quand on fait des bêtises comme ça. J'aurais pu voir là aussi, mais j'ai pas fait gaffe. Je vais voir, ça m'annonce rien au niveau de la casse. Une casse, ça va. Donc ça me dit 1h38 de route, estimation 1h37. Dans le même temps, la médiane à se rapprocher. Je vais pouvoir passer en arbre. Hein. C'est bon, il a pris. Mais il penche presque à 30 ans. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de distance à faire. C'est brutal de nerf hein, sur cet avion. Ou les avions en général. Il y a des avions qu'on touche pour depuis la Toto pour y aller mollo. Pour pas secouer les passagers. Fret. Cet avion n'en a pas. Le TBM 850 qui est un avion collector là. C'est une très bonne option. Donc là c'est bon, à ce coup-là on est sur l'air. On va s'en occuper jusqu'à l'arrivée. Donc là ici il casse, hein, c'est les informations en dessous. On n'a rien, tout est pompe. Il fait 23 degrés là, dans la cabine. À 5 000 pieds, tout est bon. Des dépôts de sel.
blanc comme ça. C'est du calcaire, soit c'est du sel. Puisque, sans faire un cours de géologie, tout le Sahel, hein, toute cette zone, il y a environ 13 à 15 000 ans de ça, c'était verdoyant. Hein. C'est devenu désertique. Il y a eu un réchauffement climatique important. Réchauffement climatique naturel, hein, ça existe. La preuve. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a du pétrole. Hein, parce que le pétrole vient de ça, normalement. Hein, les végétations qui se sont sédimentées, qui se sont décomposées en sous-sol, pour créer du pétrole et du gaz. Il y a beaucoup de, gaz hein, dans le sous-sol algérien. Ici. Donc le grand désert de sable, c'est surtout ici, et puis le Ténéré ici. Là, c'est plus, plus rocheux. Donc là, 1h33 minutes, ça dit. C'est différent de ce dont on a vu. Je sais pas qui a raison. On se dit 1h33 et... Ah si, 1h33. Soleil encore haut dans le ciel, on attend de mettre à la route. Est-ce que ça pouvait faire? Puisque là, il est 15h58 UTC, local. C'est local. C'est pareil qu'ici. C'est UTC plus 2. On n'affiche pas l'heure UTC. Tiens, c'est marrant ça. LCL, ça doit être local time. Dans les options, ça doit pouvoir se changer peut-être. Je ne sais pas. Ici, ça c'est le trim compensateur de tangage qui est à zéro. J'essaie de voir si ça. Je vais pas embêter le pilote auto, mais c'est sûr que ça change. Je vais couper taxi de décollage et atterrissage. On met du bleu, il apprécie. J'ai fait ça. R. Si vous avez toutes les stats hein, du puissance moteur, vitesse, altitude, régime de la turbine, très complet. Hein. Donc là, on a fait ça nous dit qu'on a fait 64 nautiques déjà, 19 minutes, il nous aurait 602 et il estime à 1h30. Et ça, c'est l'aéroport de secours en cas de problème. On met toujours un autre. Donc, ça dit que c'est à 140 pieds, donc effectivement. Parce qu'au niveau du sol, au niveau de la mer, HL 49.
Donc c'est un chouette avion, hein. T'aimes bien. Peut monter à 230, 230 nœuds à peu près. Il donnait à 240, mais moi les essais que j'ai fait, 230. Après, on consomme énormément. Hein. Si on fait des contrats urgents, éventuellement, ça peut être utile. Si on a beaucoup de fuel et qu'on a pas mal de distance, ben, ça peut aider aussi. Je sais pas. On va regarder si on a des petites radios locales. Des petites radios locales avec Jumpseat Media. Il faut que ça soit de côté. On va le passer de toute façon. Voilà, il cherche, il regarde où est-ce qu'on est dans le simulateur. Il cherche les radios autour de nous. Elles sont assez éloignées. Tripoli, donc Libye. Là, c'est le volume. Cherche. Pas grand chose dans cette zone-là, de toute façon, j'ai remarqué. Donc, je vois pas des problèmes de droit d'auteur avec la chaîne. Mais là. Pas sûr qu'il repère ce que c'est. وكذلك في السياحات وبنغازي جامي شوبي سا السياح في المطارات نصب واحتيال عجيب وبعض الناس لا يتعلم ميسي جون كارون نريد الرنو 343 نوتيك سا سي لا ديريكسيون دو لا راديو بنغازي سي دابا دونك سا نو دون لا ديريكسيون فير لا راديو سي دي نور Nord-Ouest. Regardez, hein. C'est bizarre parce que Benghazi, c'est par là. Il me semble. Ça doit être ça, Benghazi. Je ne sais pas les noms français. Benghazi, c'est là. C'est pas très. Je suis ici, j'ai. Ouais, ça marche pas trop bien leur truc. Oui, Benghazi. Ouais, je sais pas. يبحث خطة تأمين المدن والمناطق خلال عطلة عيد الأضحى. C'est le compte pro avec lequel c'est fait. Allô, je suis entrepreneur et... Pour joindre votre conseiller... C'est français, là, c'est pas français. Conseiller. Vous avez dit transférer. Non, conseiller. C'est noté, virement effectué. Non. Que vous soyez indépendant ou à la tête d'une entreprise, simplifiez toutes vos finances avec le compte pro Conto. Joindre un conseiller 24 heures sur 24, c'est fait. Facturer en un clic, c'est fait. Accélérer votre compta, oui, c'est fait aussi. Conto, le compte pro qu'il vous faut. Ouvert en 10 minutes sur conto.com. Ah bah ça doit être une française et une radio libyenne. Pas mal. On a l'impression que c'est un radio libyenne. والمزيد من الأخبار ومتابعة لأهم تحديثات السوق المحلي. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل تباعا. أهلا
بكم. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد البدء في تنفيذ انتخابات مجالس البلدية. De musique locale. J'aime bien quand il y a de la musique locale, mais bon, il n'y a rien là. Sinon, il y en a. Musique traditionnelle des endroits où je vais, j'aime bien écouter. Ça, c'est. Donc là, le décor change un peu. Je ne vais pas trop dire de quoi est constitué ce relief là, mais ça doit être rocheux, je pense. La résolution n'est pas top hein, de cette prise satellite. Enfin, je ne sais pas trop, c'est bizarre. C'est ça qui est bien, c'est la diversité des paysages que j'aime bien. Il y a une route là. Une piste qui va je ne sais où. Ça me fait penser à une zone asséchée où il y avait de l'eau auparavant. C'est un ancien lac, une mer intérieure. Je sais pas. Une heure de vol jusqu'à la destination. On change un peu le type de paysage. Marque ces marques d'anciennes alluvions dans le sol. Ainsi, il y a des rivières à l'eau. Se poser apparemment, c'est une raffinerie, hein, pétrole, c'est notre destination à HL49, on voit que il y a la piste, ici, il n'y a que ça, donc ça doit être une raffinerie, hein. Il y a des
véhicule. Redémarre là, attends. Démarre de pétrole sans doute. C'est pas trop, je connais rien, pétrochimie. Ça peut l'air dur. On est à 38 minutes de l'arrivée. Toujours aussi désertique. Alors, j'ai regardé sur la carte de Open Air, ici. Alors déjà ici, on est sur Flight Data. En train de suivre notre route, on peut cliquer sur map et là on a le plein écran avec les infos de base essentielles ici, c'est bien. Donc ici il y a Marada qui est une oasis, j'ai fait une recherche Wikipédia là-dessus, hein. Ça ressemble pas trop à une oasis telle que je me la représente, mais bon, et ici il y a quelque chose, une espèce de tumulus au milieu de la petite ville là, ici, c'est bizarre là. Peut-être qu'il y a un ancien temple. Alors j'ai envie de le survoler. Je vais faire un petit écart pour survoler. Et ici, il y a un aérodrome de taille 2. Alors, je clique dessus.
J'ai fait show over airport pour tous les aéroports dans la zone. Et on clique dessus et ici on a airport sheet, on a des informations sur, sur l'aérodrome. Dans service ici, on voit qu'ils vend du fuel, du jet. Fuel jet, c'est ce qu'il faut pour le mien. Et ça c'est pour les pistons, les hélices à pistons. Donc on pourrait même remettre du carburant, je ne l'ai jamais fait, je vais essayer de me poser là, remettre du carburant et survoler Marada, qui est un peu plus loin ici, et ensuite reprendre notre route. Je ne vois plus. Ah oui, je suis dans les infos de l'aérodrome. Je reviens en arrière. Donc se poser ici, reprendre du carburant, survoler ici, et puis de Marada, comme c'est pas très loin, dans notre cible ici, HL49, on se prendra un cap direct. Hein. Avec le heading. Donc je vais essayer ça. Je vais essayer de contacter HLMH. Voir si on peut la capter, sa tour. Je vais regarder ma vitesse que j'ai diminuée. J'ai diminué encore un peu. On va essayer de contacter HLMH. HLMH, Marada, tac. Choisir une piste pour atterrir. Donc là, on va prendre... On va zoomer un peu. On m'affiche pas la piste forcément. On peut voir en zoomant que c'est la 36. Il nous intéresse. Sinon, avec Little Nav Map, lui, il affiche tout. Il est ici, voilà, 36. Donc il faut aller au nord. Donc on va tout de suite aller au nord et on va demander l'autorisation. Alors, on va prendre le heading. On va aller au 0. Passer sur heading, hop. Je vais pas y aller trop fort pour ne pas casser ma marchandise. Vous voyez, il est pas loin des 30, hein. Faut y aller mollo. Donc on a des pistes 36. Poser, décoller. Que c'est ça qu'il faut dire. Voilà, il n'y a personne, donc de toute façon je pense qu'on fait ce qu'on veut. Je suis pas à 0 encore, je suis à 15, on va prendre le cap au 0. Je vais déplacer un peu ma map pour voir, elle n'affiche pas bien sûr. Ça c'est embêtant. Là, on va descendre, on perd rapidement de l'altitude, on va descendre à 2000. Se prendre une vitesse assez élevée de descente, on va descendre à 1300 pieds minute, on va réduire fortement les gaz, augmenter notre régime d'hélice, on va se mettre à 98%. On va surveiller que on n'aille pas trop vite, on va bien baisser les gaz. On va regarder vite fait si où est-ce qu'on est là. Donc là, il faut qu'on prenne un cap au 345 pour rattraper. J'espère qu'on va pas casser de matos, sinon ça va être doucement. Non, la piste devrait pas être très loin. Je pense qu'elle est par là, non? Désolé pour le robot. Ah, la piste est là, d'accord. La piste est ici. Je ne sais pas comment le faire taire, donc... Je pense que quand on aura fini la descente, il va se taire. Éviter les montagnes, je sais pas quelle autre action. On n'a pas de passagers, donc on a du fret. Parce que là j'ai 500, j'ai assez, mais c'était pour... ça me donne l'occasion de tester un ravitaillement. J'espère que comme ils ont du fuel normalement,
Si le simulateur est bien fait, il doit me proposer. On verra une fois posé, ça va changer le menu, je pense. Ouais, je pense que quand il va reprendre une assiette peu normale, il va se calmer. Je sais pas comment faire taire, après que je cherche ça. On va partir un petit peu sur la droite, éviter cette montagne là. On va même descendre à 1500 pieds. Avec un BS, il est toujours activé, le 300, on va laisser faire. On va mettre un peu de gaz. Mais il se calme. Il en a marre. 500 pieds, ça va pas mal. C'est à cause de ma vitesse aussi qui était trop faible. Bon, a priori, si je me trompe pas, c'est bien devant la piste. Hein. C'est ça. Là, on est bien. Hein. Finir en manuel dès qu'il m'aura ramené à voilà, comme ça, il va m'y avoir rendu comme ça. Donc vitesse est bonne. Je reste en auto pour l'instant. La montagne n'est pas menaçante. Qu'est-ce que t'as? Vitesse trop basse. On se prend un malus sur un gros malus, 0,5% de malus sur la réputation. Sur Pointer, ça va être en rouge. Zut, KO. Ah oui, je suis sur Pro, je passe sur Flight Data. Vous voyez, stall. C'est décollage sans flaps. Voilà, on va prendre du malus sur ce vol, mais c'est pas grave. Donc là, je coupe le pilote auto. Hop, je sors en volet. Je vais sortir les trains, comme ça il me fera plus tôt. Je vais diminuer la vitesse. Je sors dans le deuxième volet, je vais attendre un peu. Si je veux sortir parce que je suis un peu rapide. Il me paraît loin la piste encore. Je vais baisser mon trim, le compensateur. Je vais piquer un peu du nez pour que ce soit moins dur de descendre là, parce qu'il me fait tirer méchamment sur le manche pour descendre. Pousser, je veux dire. Voilà, là on est bien. Je vais te remonter mon compensateur même. C'est pas mal, il y a vachement de... Enfin, c'est la sensation que j'ai en tout cas. 1300 pieds. Le sol, il doit pas être bien élevé. Oh, c'est pas moi hein, qui fait ce qui se coupe comme ça le joystick, c'est le vent. Wind 00 at 9 knots. Vent 00 à 9 nœuds. C'est ce que j'ai compris. 500 pieds du sol. C'est une belle piste. Hein. Bon, là, j'ai coupé les gaz et j'ai les volets à fond, donc je peux pas aller moins vite. Hein. On est pas mal. Décalé, mais avec le vent c'est pas facile. Ça peut pas sur la piste, ça doit le faire. Voilà. Un peu rapide hein, mais faut exposer. Landing time locked. Je vais inverser ma puissance, passe en reverse, mais ça freine méchamment. Hein. C'est hyper efficace. Donc là, pour vous montrer, là, j'ai toujours ce bug de frein de parc. Ici, j'ai mis les reverse avec mon raccourci sur le joystick.
L'équivalent, j'ai baissé ça à fond et ça à fond, quoi. Tourner le moteur en sens inverse, ça fait un aérofrein. Toi, tais-toi. Alors, c'est maintenant qu'on va savoir si on peut se ré... Ah, il propose pas de... C'est nul. On peut pas faire du refuel. Hotel Lima, Mike Hotel, traffic Beechcraft Golf Alpha India Alpha. One is on final runway 36 touch and go left traffic. Il me propose rien. Bon ben, je me suis posé pour rien, tant pis. Je saurai maintenant. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la tour pour pouvoir avoir du carburant. Bon ben, j'ai brûlé du carburant pour rien. Il me reste 4,5. Moi, oh, c'est bon. Mais bon, on n'est pas loin. On va passer au-dessus de la ville comme on voulait. Hotel Lima, Mike Hotel. Traffic Beechcraft Golf Alpha India Alpha. One going around. C'est du collage qu'il faut dire. Du collage par le... Hotel Lima, Mike Hotel. Traffic Beechcraft Golf Alpha India Alpha. One taking off runway 36 departure to the north. Bon, ben on repart tout de suite et puis on va. Je regarde vite fait. Cap à prendre. Je vais regarder sur Little Nap Map, j'ai la rosace. Donc ma Marcella, Massala. Ça doit être ça. Ouais, mais là, mais pas en... Faut que je prenne un cap vers le 45. Décoller 45, samedi par ici, et c'est pas là, c'est beaucoup plus loin. Mais si c'est alors 0 90 45, ça me semble pas mal pour un début. On va faire ça. Une nouvelle fin de parc, et on est reparti. J'ai le mévolé à fond. C'est bizarre ce qu'il fait. C'est pas bon. C'est pas pourquoi j'ai dû faire une connerie. Airborne again. J'ai dû décoller plein volet, c'est pour ça. Je fais que des conneries. De toute façon, bon, en tout cas, je vais rentrer. Je vais aller vers le 45. Putain, voilà. Manuel, c'est chaud. Il me dit quelque chose, mais je peux pas voir, c'est trop petit. L'OIO, peut-être, compensateur de... activé, voilà, ça va peut-être m'aider un peu. Capot 45. J'ai un taux de montée qui est trop élevé, là, je peux pas prendre de vitesse comme il faudrait. Moi, d'accord, c'est que je poussais trop les gaz. Cap au 45 et puis ensuite je vais mettre le pilote auto. Non, c'est bon, je vais mettre le pilote auto activé. Oula, mais non mais j'ai oui, je suis le heading et je m'écrase parce que j'ai hop une montée à 1000. C'était un petit peu à l'arrache tout ça. Je suis activé, donc leading au 45. Et je mets une altitude de 3000 pieds. Sinon il va vouloir descendre 3000 pieds. Je réactive. Voilà. On va réduire les gaz. Non, je regarde où je vais là maintenant, que je risque plus de m'écraser.
Marsala, ça me dit que c'est là. Non. Il ne m'indique pas, lui, c'est chiant. Lui, il me l'indique. Donc là, il faut que j'aille. Faut que j'aille beaucoup plus à droite. D'accord. Il serait à peu près ici, le bled. Ah, d'accord, je le vois. Je vais reprendre mon manuel une fois qu'il aura tourné. Non, je vais rester comme ça. Une vue extérieure. Là c'est bien, on passe dessus. Voilà. Ok. Là c'est bien. Je vais pas rentrer dans le train. Faut que j'apprenne à être plus concentré. Il aurait pu me dire que mon train n'était pas sorti. C'est quoi cette petite boule qu'on a vue dans le... Ce tumulus là, il serait ici, d'accord, par rapport à une route. On peut voir ce que c'est, ici, ça doit être par là, peut-être pas représenté. Hein. Ah si, il faudrait être ça, c'est mal fait. Il n'est pas représenté. Un peu déçu, hein, des villes ou autre. La forme est bonne, hein, la structure de la ville, c'est ça. Bon, les bâtiments 3D, ils ont fait comme ils ont pu. Le tumulus, ils n'ont pas mis. Il est là. Ils l'ont laissé plat, vous voyez. C'est ça, je reconnais là. Ils l'ont laissé plat, d'accord. Bon, ils l'ont pas représenté en 3D. Donc ici, on voit bien que c'est en 3D. On voit bien que c'est un tumulus, ça, c'est une commune. Ok, bon. Ça c'est une oasis, vous voyez, c'est pas très joli pour une oasis. Et bon, on voit que ça c'est des cultures apparemment quand même un peu. Il y a qui mangent, là aussi il y a des cultures, là aussi. Et là aussi il y a des constructions. Il y a des immeubles même. Je suis enlevé pourtant dans les immeubles et ça fait vraiment cul, mais ça c'est le simulateur qui est comme ça. Ok, on va reprendre le cap. On va reprendre notre vrai cap. Alors, je vais pas reprendre. Est-ce que je reprends le... Non, c'est pas nécessaire. On a un cap pour 75, c'est bien. 80 même. Ça nous dit à peu près 77 il faudrait. On a quoi comme cap là? On est pas mal. Voilà, le cap au 77. On va baisser un peu les gaz. Je vais rester hélice à fort régime vu qu'on n'est plus qu'à 97 nautiques. On va peut-être les baisser un peu quand même. Les économies de carburant. On va passer à du 60%, voire 50%. On va passer à 50. 50,5. Voilà, 50,3, 50,2. Mais bon. On est à 400 livres dans le shekel, 800 livres au total. Il nous le dit d'ailleurs, Bonner, ici, 834 exactement. Donc on peut se permettre de faire des petits écarts sur la route. Hein. Avec des passagers, c'est pas très roleplay, mais... C'est là, il y en a deux qui se superposent en fin de compte. Hein. Donc là, on va prendre la piste 8. Non, c'est de la merde, la piste 8. Excusez-moi pour le gros mot, c'est une piste pourrie, là. Même pour un poisson, c'est... Je vais prendre la... On va bien celle-là, moi. La 13. Je vais demander la 13. Ici, il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a une tour.
Alors, la 13, piste, plus proche, HL. On est encore trop loin. HL 49, on l'a pas. Il a un nom, Amal, je crois. Amal V12. Ouais, c'est une raffinerie. Hein. Amal V12. On est à 90 nautiques, ouais, on est loin pour l'avoir en radio. On va attendre un peu. Le mec, il montre où je suis là. Ouais, voilà. D'accord, ça va. S'actualise tout le temps, peut-être qu'il va sortir. On verra plus tard. Je vérifie que j'enregistre. Altitude, donc je suis à 3000 pieds. Ouais. Là, je suis à 3000 pieds. Je vais descendre à 2000. Combien là? 600 euros. Descendre à 2000. Vitesse, je vais baisser un peu. Ah, c'est bon le carbone. On va le faire. Du sol, ça défile vite. Pas peine de temps à regarder ce qui se passe au sol. Décalage comme ça, puis on fera un crochet à 130, puisque c'est une piste numéro 13, il faut prendre 230 pour être en face, si je dis pas de bêtises. Ouais, 130, c'est ça. La piste elle est comme ça. Ouais,
problème. Là, je pourrais même aller à 65. On est comme ça. Ça serait mieux. On va aller à 65. Dommage que sur les petites pistes on puisse pas remettre du carburant, pourtant il y en a. Il y en a qui ont fait des vols, c'est dans le long vol quoi. Si ça avait été dans le plan de vol, j'aurais pu me ravitailler, je pense. C'était à ma droite. C'était ça. On trouve le truc. C'est encore un truc de pétrole, ça? C'est ça que j'aime bien, bien inspecter un peu les environs, voir des choses. Là, il y a un tas de... Qu'est-ce que c'est, ça? Donc là, on est pas mal, puisque là, ça fait... 5, on sera 5 à peu près à la place de se poser, je pense, si on va pas vite. Sur le sens de la piste, je pense, de dessiner. Voilà, mais c'est pas... On va peut-être rester comme ça. Comme ça. C'est plus comme ça. C'est là. Inspection de vol. Absolument pas roleplay, mais je l'ai fait pour le déco, pour les couleurs. Hein. Je fais pas très attention à ce qui est écrit dessus.
là. Soft landing, quand on s'est posé, ce qui veut dire que j'ai pas cassé mon matériel de valeur, là. Je l'ai pas abîmé. D'ailleurs, il me met 100% là. Voilà, je pense que ça diminue quand on fait de la casse. Donc là, il est à 100% de son état, donc il est nickel. Je pense que c'est ça que ça veut dire. C'est dans la description, donc. Il reste 19 jours pour livrer ça, je suis en retard. Il me reste 700 livres, 350 en gros dans chaque aile. Contrôler, 350, 300, 350, c'est bien ça. On va arriver dans la réserve là, mais bon, on s'en fout. On est presque arrivé. Normalement, j'avais de quoi faire 1000, je comprends pas. Hein, je consomme deux fois plus que. Je sais pas, c'est bizarre. On va mettre à 40, on va faire des économies, mais je suis même pas sûr que ça fasse vraiment des économies, ça. C'est plus les consignes de. Regardez combien je tourne, à 1600 je dois être à peu près, je pense. Je suis à 1550 ans, donc c'est bien, je suis bien. Là, je prends toujours plus de carburant parce qu'à chaque fois je me rends compte que je consomme plus que ce qui est prévu. Je sais pas pourquoi. Après, je sais qu'on peut encore faire de la route avec ça. Donc là, j'apparais. J'ai un affichage 3 nautiques là. Elle fait combien de longueur cette piste? Elle m'a pas l'air bien longue. Aussi, 5007, ça va. Il faut du 3000, je crois. Mais avec le reverse, hein, l'inversion, avec l'aérofrein, je suis sûr qu'on peut faire du 2005, ça passe. Donc là, on est à 40... 47, je ne verrai pas vraiment. Par ici, c'est beaucoup trop loin. Décollage tout à l'heure, c'est parce que j'avais les volets complètement sortis. J'avais les volets à fond, mais là, ça fait bizarre de décoller comme ça. J'avais jamais essayé, je ne vous conseille pas. Bien failli m'écraser. Il est moins facile aussi, moins permissif cet avion que
que les Cessna, qui sont vraiment très faciles à piloter comparé aux autres avions, je trouve. C'est vraiment la désolation, ce paysage. C'est des pistes suivies par les 4x4 de voiture.
milieu, c'est un beau triangle. Qu'il le voit, lui, on ne l'indique pas. On va tourner par là. C'est les hélices. Parce que là, je vais peut-être pouvoir retourner. C'est lui qui va me dire.
Doucement, doucement, doucement. Et le pilote en même temps. C'est dommage. Toujours au sol, il y a toujours un paquet de... On va tourner à 20. 1 degré, pas plus. Je m'éloigne là à ta place. On va te faire chaud, nickel. Allez, on y va, je coupe les gaz. Un petit vent sympa juste au moment de se poser, comme j'aime. Oh, j'y suis allé fort. Un peu de rétro-fusée là.
se garer. Ça ressemble à quoi? Tu vois rien hein, à l'intérieur. On va pas tourner là, on sent très bien. S'ils sont partis, mais je peux pas voir. Ouais, il est pas en vie. Je devrais avancer là. Je me suis posé fort. Il y avait beaucoup de vent, c'était pas facile. À tous les coups, il n'a pas marché, mon frein de parc. Ah si, il avait marché. Voilà, donc c'est fait. Engine off, time locked. The flight is finished. It has been monitored by On Air. J'ai été payé, mais. C'est pénible qu'on puisse pas couper ça. Oral warning, ok. Je vais voir ce que me dit. Very smooth. Bah dis donc, ça a tapé pourtant le train. Il me dit très doux. Bon. Plutôt que je me suis mal posé, mais donc on s'est pris du malus sans les flaps, 0,02% pour la réputation. Le fait d'avoir décollé sans voler, ça va. Les annonces, les alertes de décrochage à 0,5%. Par contre, on a perdu. Soft landing, on a gagné plus 0,5, ce qui fait que ça s'annule. C'est moins 0,38 moins 0,02, ça fait ça, c'est normal. Ça, c'est l'XP. Ça, c'est l'usure de l'avion. Airframe condition, ça, c'est les moteurs, ça, c'est la cellule. Ok, bon, ça s'est bien passé, tout compte fait. On a touché 17 000, on a 122 000. Ok. Donc on va finir ça, histoire de faire les choses proprement. Ah j'active, ah oui j'ai atterri sans les phares de du passé, centré sur ces trucs là. Je prends l'habitude, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut couper le général de lumière. On va couper. Les auxiliaires, les générateurs, et on va couper le... Ah, on va rentrer les trains. On a l'indicateur ici. Là. Et on coupe la batterie, comme ça il va se taire le Garmin. Voilà. Donc là, on n'a pas cassé le navire, c'est bien. Voilà les amis, écoutez pour ce petit voyage. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de soirée, et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien, ciao.